Son professeur a revendiqué droit. Je dis à nous qu'à trouver l'injuste. Si nous sommes élèves lycée, comme nous toujours maltraité nous comme parents pauvres, je dis à ce nous qu'à plus maltraité. Raison, c'est parce que nous n'avons pas une petite yo. Là, dans le lycée, parce que tout petit négocié au Canada, en France, a étudié, pendant que vous n'avez pas même pensé avec l'élève qui est dans le lycée. Je dis à ce pas normal, pendant que le professeur a revendiqué droit, parce que vous n'avez pas touché bien, et ça n'a pas touché du tout, ça n'a pas qu'on l'aide. Nous même nous avons subi. Regardez, toute l'école a fonctionné, nous même nous avons fonctionné. Et tandis que tout élève va causer le même examen. Ouais, qui échec, lycée Philippe Guerrier. Pendant que nous lycée, qui c'est le lycée Claudie Mizo, a fonctionné. Nous avons trouvé l'anormal pour nous rester dans cette situation. Nous venons manifester mécontentement nous par rapport. Ou toujours qu'on est dans le pays, c'est ça. Toujours des monde qui toujours a réagi par pitié. Par contre, c'est pas pitié qui a réagi. Mais alors, compte. Nous ne trouvons pas normal. Nous venons chercher les élèves du lycée Bergeot pour tenir un renfort, pour demander aux professeurs pour travailler pendant que l'État a respecté le droit pour faire ça. Le directeur arrive, nous jouons avec l'ambal en ville là, il dit nous mettons mouté, nous venons prendre les lycées Côte Muzo. Nous les policiers, nous venons barrer nous là. Ça va passer quoi? Nous avons barré le lycée, nous même avons barré l'arrière. Pour notre élève du lycée Côte Muzo. Il faut dire qu'il y a une bonne ferveur pour nous entrer dans le lycée. Il n'est pas normal. Il n'est pas normal. Pendant que nous sommes les philo, nous sommes tous élèves et nous avons subi dans un état pareil comme ça. Il n'est pas normal. Donc, parce que le lycée n'est pas passé pour ça, le lycée est trop faible. On sait pas comment le lycée est. Parce que nous ne sommes pas venus faire quoi. Il faut nous joindre dans la vie pour nous manifester, pour nous travailler normalement, pour nous réussir. Moi, je voulais dire un bagage. Pendant que nous perdons toujours l'école, ça, on va regarder là, l'école va faire bien bonheur. Nous allons faire un examen. Moi-même, je vais demander que qui ça nous va composer. Qui ça va composer, là, nous perdons toujours ça. C'est une question que nous avons posée à un responsable. Qui ça va nous composer? Comment ça va venir pour nous? Depuis là, nous commençons à imaginer que nous avons parlé avec nous. Nous jouons un directeur départemental là, de parler avec nous. Il dit nous mettons faire ça n'a faire sans désordre et nous d'accord pour nous faire sans désordre, mais nous venons là nous dit que nous allons venir demander élève Claudie Mizo au renfort. Nous allons demander élève Claudie Mizo au renfort pour nous capable manifester, pour nous faire revendication nous passer, mais nous venons là un policier yo barré nous pas capable d'entrer pour élève yo sortir dehors. Vous parlez élève yo ni sortir dehors. Si élève yo ni sortir dehors et pour nous ni rentrer pour nous prendre. Si on banyo, nous allons aller et nous continuer à revendiquer droit à nous. Pardon? Mais pour nous avons nous élèves, nous voulons bloquer la rue, nous élèves pour faire une revendication nous passer. Ok, normalement, nous sommes sortis depuis le lycée Philippe Gaillé, nous faisons parcours ville là, pour nous faire jusque là. Alors nous atteignons l'UA et nous demandons, nous parlons avec le directeur Harry. Il dit nous que nous sommes venus ici, on a pris l'école du musée, nous pourrons aller avec eux. Mais quand nous venons, ce n'est pas ça, c'est pas ça fait. Alors nous disons, directeur Harry, vous pas sérieux. Alors même c'est directeur vous êtes, nous connaissons bien, nous connaissons qui sérieux, mais là vous faites preuve de n'est pas sérieux. Vous avez dit que nous sommes venus ici pour nous prendre l'école du musée, pour nous manifester avec eux parce que depuis lundi, nous ne sommes pas capables de nous couper. Imaginez-nous, nous allons composer un examen officiel. Toute l'école a fonctionné normalement. Nous sommes dans le lycée Philippe Gaillé et Claude Dimizio nous pas jeune coup. Alors, la police là est mobilisée avec gaz de mur. Ils ont dit qu'ils ne vont pas quitter nous passer. Alors, nous-mêmes, nous avons prêté la taille. Tout est que nous ne sommes pas jeune Claude Dimizio, nous ne pas blaguer. Et si le gouvernement a battu la mort là, pas fait une action, nous avons passé à plan B. Et plan B a connu qui s'allait. Nous n'avons pas besoin encore. Nous ne faisons pas là.
Nous